n'est pas coutume, vous n'êtes pas rentré en avion depuis Auxerre. Comment le groupe a-t-il vécu le retour en bus? Normalement, hein. C'est sûr plus difficilement parce que après une défaite, c'est sûr que c'est jamais rigolo, mais bon, temps de digérer la défaite et puis voilà, on a bien roulé, c'est bien passé. Samedi, on reçoit à Bordeaux, on les sent un peu moins costauds et plus prenables. Comment tu juges leur phase retour en championnat? C'est sûr qu'ils ont été peut-être un petit peu moins bien que la première partie, mais c'est quand même Bordeaux, c'est quand même une grosse équipe. Ça va être un match difficile, on est des grands joueurs, donc tout le monde dit qu'ils sont même bien, mais bon, ça reste quand même Bordeaux. Même s'ils ont eu un coup de moins bien, il faut quand même faire attention. Après la claque prise face à Auxerre, comment l'équipe aborde-t-elle ce match et est-ce qu'il y a un sentiment de revanche par rapport à la Coupe de la Ligue? Oui, tout d'abord, on essaiera déjà de... C'est sûr, on aimerait bien gagner. Après une défaite, c'est vrai qu'on aime bien enchaîner par une victoire pour oublier Auxerre. Et puis voilà, donc j'espère que samedi, on fera ce qu'il faut faire. Tu bénéficies de la suspension de Fabien Audard pour jouer. Dans ces cas-là, comment tu prépares ton match? Je prépare mon match normalement. Je fais rien de plus, rien d'exceptionnel. Non, je me prépare normalement. Puis après, on pose pas de questions. Est-ce qu'il y a une pression particulière? Il y a toujours une petite pression. Avant un match, il y a toujours une petite pression pour bien préparer un match. Il faut toujours avoir cette petite montée d'adrénaline. Donc moi, ça me fait faire un match. Et puis, c'est prendre du plaisir et assurer l'essentiel, quoi. Merci.